J'ai acheté deux trop jolies pièces. Je valide, je dézoome et voilà, il n'y a plus le bouton. C'est l'heure du haul. Instagram a décidé pour moi que je ne sortirai pas aujourd'hui. J'ai hâte, en même temps j'ai peur, je sais pas pourquoi. J'ai fait une énorme bêtise, devinez quoi. Bon, je voulais vous parler d'un truc ce matin. Sur ma chaîne, je fais jamais de partenariat. Ça va, ça va pas? Non. Ça devient trop dur. Tu comptes manger quand c'est froid ou tu préfères... Et toi, tu comptes être agréable ou... ou tu préfères un jour sur deux? Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver. En fait, pour la vidéo de mercredi, enfin celle que vous êtes en train de regarder, j'avais prévu de faire une routine cheveux, mais en fait j'étais pas du tout inspirée. Je sais pas pourquoi, j'étais pas inspirée. Donc je me suis dit, on va vlogger. On est lundi aujourd'hui. Je pense que je vais vlogger aujourd'hui, demain et peut-être un peu mercredi. Aujourd'hui j'ai rien de prévu. On a dépassé les 50 000 abonnés. Je suis trop contente, merci beaucoup. Et figurez-vous que maintenant je peux vous le dire parce que à l'heure où la vidéo sera postée, ce sera déjà fait. Mais du coup je fais un coup sur Instagram, vous en verrez plus dans la vidéo de dimanche. Je vais vous montrer quand j'y suis allée et tout, j'ai un peu vlogué. Mais je vous fais un concours pour vous faire gagner un porte-carte Yves Saint Laurent qui est juste trop beau. Donc je vous invite à aller participer si jamais ça vous intéresse. Du coup aujourd'hui c'est plutôt chill, là je vais me faire manger. Il est un peu, enfin un peu tard. Il doit être 13h30, 14h. Il fait super beau, en fait je serais bien allée à Paris aujourd'hui, sauf que Jérémy a pas la DTR. Donc franchement j'ai pas envie d'y aller toute seule. Du coup on y aille à deux, tranquille. J'irai demain en espérant qu'il fasse beau, parce que là il y a un énorme ciel bleu. Est-ce qu'on va voir? On voit un morceau. J'aimerais bien me mettre un peu d'auto-bronzant, me faire les ongles. Je vais vous montrer aussi parce que demain on va sûrement aller faire un peu les soldes, mais je les ai déjà faites. J'ai acheté deux trop jolies pièces, deux jolies vestes. Je vous montre ça tout à l'heure dans la journée. Comme ça peut-être que vous pourrez encore les choper à l'heure où je vous parle. Il doit sûrement rester des stocks. Aujourd'hui il faut que je retouche un peu les photos pour le concours de ce soir, etc. Donc je vais tout vous montrer. Let's go, on va se faire manger. J'ai acheté de quoi faire des pâtes à la carbonara. Bon, moi je fais rien de spécial. Hein. Bon, pour faire des pâtes à la carbonara, rien de spécial. Juste je mets pas de crème fraîche, de vraie crème fraîche, mais de la crème de soja parce que sinon ça m'a fait mal au ventre et c'est horrible. Donc voilà. C'est l'heure de sélectionner ma photo, mes photos pour le concours. Je pense que ma préférée c'est celle-ci. J'aime bien, mais il y en a vraiment plein en fait. Et il faut que j'en choisisse, je pense, 2 ou 3. Elle, je l'aime pas, donc déjà, hop, salut. Non. 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 Pourquoi pas, pourquoi pas. Ce jour-là, il y avait tellement de vent, tellement de vent. C'était trop une galère. Genre, dès qu'il y avait plus de vent, je disais à Jérémy, prends. Oula, mais qu'est-ce qui m'a pris de mettre un like sur cette tête? Du coup, moi, ce que je fais toujours, quand je poste des photos sur Insta, c'est que je fais donc toutes mes photos. Quand on me prend photo, c'est 90% du temps à l'iPhone. Mais il y a quelques photos, je vous en mets quelques-unes ici, qui sont prises avec l'appareil photo. Et ça, c'est Jérémy qui prend. Je demande toujours à ce qu'on me fasse plein de photos. Donc, je me retrouve toujours avec énormément de photos. Ce que je fais, c'est que dès qu'il y en a une que j'aime bien, je la like. Je like. Ce que je fais aussi pour essayer de trier mon téléphone, j'avoue, je le fais pas tout le temps, mais toutes celles qui sont pas likées, du coup, je les sélectionne et je les supprime. Comme ça, je garde que les likées. Ensuite, je peux enlever tous les likes et du coup, resélectionner une deuxième fois vraiment celles que j'aime. Donc, souvent, déjà, quand je like une première fois, il y en a genre 15. Quand je refais une deuxième sélection, il y en a genre 10. Et après, bah, je vois vraiment laquelle je préfère. Alors, ce que je faisais avant beaucoup, c'est que je retouchais au niveau de la lumière avec directement l'iPhone. Donc, dans modifier juste là, on peut complètement tout modifier. Donc ça c'est ce que je faisais avant. Et maintenant j'avoue que je le fais beaucoup moins parce que je m'en fous. Franchement mes photos, on me demande tout le temps mes retouches. Je vous jure que je ne fais rien. Les seules retouches que je fais, c'est quand genre j'ai un énorme bouton sur le visage ou un truc comme ça, bah je l'enlève. Moi j'utilise Facetune, je vais vous montrer. Et j'ai la version payante parce que c'est la meilleure version pour tout ce qui est boutons, etc. Parce que non payante, vous pouvez lisser votre peau. Avant j'utilisais que ça, ça me suffisait. Là je peux vraiment complètement le retirer comme sur Photoshop, donc c'est très cool. Sinon c'est tout ce que je fais quoi. Vraiment, sauf quand c'est à l'appareil photo, Jérémy s'occupe de faire des retouches Photoshop, mais uniquement de lumière. Du coup, je vais vous montrer vite fait comment je retouche. Dans mes faves, on va mettre une au hasard. Celle-ci, je l'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Hop, on zoom, on voit mes rides. Voilà, pour ceux qui me croyaient pas, j'ai bien des rides à 19 ans. Ce sont des rides d'expression, mais elles sont quand même très marquées, comme vous pouvez le voir. Là, évidemment, il faisait extrêmement froid, donc ça marque vraiment plus, hein. On peut pas dire que je suis comme ça dans la vraie vie tous les jours. Et juste j'avais ce bouton là, vous voyez vraiment ma peau totalement vraie. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais ici et je vais dans corriger et j'ai juste à zoomer
appuyer. Et d'ailleurs, voilà, je vais le grossir un peu. Je valide, je dézoome et voilà, il n'y a plus le bouton. Ce que je fais derrière, c'est que je lisse un peu parce que vous voyez, ça l'a enlevé, mais vous voyez comme moi qu'il y a toujours une toute petite trace. Je vais venir, hop, la lisser légèrement. Et voilà. Et mes rides, non, je les lisse pas parce que bon, c'est mon visage. Hein. C'est tout ce que je fais. Désolée si vous attendiez un truc de fou, pas du tout. J'ai trop envie de sortir mais il est 15h30. Enfin justement j'ai envie de sortir parce que après il y a le couvre-feu. Sauf que bon ça me saoule parce que je sais pas quoi faire dans cette ville. Genre s'il y avait des magasins cool, bah pourquoi pas, mais y'a rien. A few moments later. C'est l'heure du haul. J'ai fait une très bonne affaire les amis. Je suis allée chez Maje. Alors d'habitude j'achète tout chez Sandro. Et d'ailleurs j'ai jamais rien acheté chez Maje. Je suis allée à Haussmann et j'ai vu des trucs qui me plaisaient trop chez Sandro. Et je me suis dit bon non, on verra, le sol c'est pas terminé et tout. J'étais pas chaude d'acheter comme ça sans réfléchir. Donc j'ai laissé tomber et ensuite je suis retournée à côté de chez moi. Il y avait pas les choses qu'il y avait chez Sandro. Donc j'étais dégoûtée et j'avais trop la flemme d'aller à Haussmann. Du coup je suis allée chez Maje et j'ai trouvé deux pièces que j'aime trop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, la première pièce, donc les deux viennent de chez Maje, hein, je l'ai déjà dit. Cette doudoune, parce que j'en peux plus de mettre celle-ci là. Trop, trop belle. Donc à la base, elle coûte 395 € et je l'ai eu à moins 30%, je crois. 30 ou 40, je sais plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve trop 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 jolie. Je vous montre de près les détails. Pour une fois que j'achète pas une veste avec du doré, c'est très rare mais bon ça arrive. Je trouve ça trop mignon et en plus elle tient super chaud. J'adore, vraiment j'adore. Et la deuxième pièce, j'ai super froid. En haut il y avait pas le chauffage, je m'en étais pas rendu compte. Ah mais il y a un autre truc encore que j'ai acheté. Ah bah je vais vous montrer aussi. La deuxième pièce c'est une petite veste, rien à voir. Il y a encore l'étiquette, comme ça je peux vous dire le prix. Elle coûte 295 € et il y a moins 40%. Ça c'est une taille 36. Qu'en pensez-vous? Je la trouve trop jolie et toute douce, vraiment toute douce, trop belle, j'adore. Et j'ai acheté un autre truc que je vous ai pas montré, mais en fait à Porto, vous savez j'ai fait un vlog de Porto pour le nouvel an, et bah j'ai acheté un truc chez Zara. En fait je l'ai vu, j'ai trop aimé, je me suis dit ouais on verra, je l'achèterai en France au pire. Et j'ai regardé sur le site, il était 10 € plus cher en France, donc je me suis dit bon autant l'acheter maintenant vu que je l'achèterai en tous les cas. C'est cette veste, je vous montre les petits détails encore une fois devant. Bon doré cette fois-ci, ça me ressemble plus, je l'aime vraiment beaucoup, elle est trop trop jolie. Et du coup c'est la veste que je porte sur ma photo de concours. J'aime trop. Et du coup je crois que je l'ai payé 49 €. Et je crois qu'en France elle a... je sais plus. Mais je crois que c'était ça. Ça vous me le demandez tout le temps. Ce petit cardigan il vient de chez Sandro. Je l'ai acheté cet été. Je l'adore. J'ai jamais mis autant quelque chose. Voilà pour ce petit haul. Dites pas si vous avez acheté des trucs pour les soldes. Franchement moi à part ça j'ai rien acheté. J'aimerais trop acheter une télé mais bon, je sais pas si c'est raisonnable. On verra. Instagram a décidé pour moi que je ne sortirai pas aujourd'hui vu qu'il est 16h50. Franchement je vais pas sortir pour une heure comme ça. Je vais vous montrer une boisson que j'aime trop me faire. Et après je vais être un peu sur mon ordinateur, travailler, envoyer des mails, faire un petit montage avec la vidéo chez Yves Saint Laurent avec de la musique etc pour pouvoir poster, un petit peu travailler quoi. Et puis ce soir faut vraiment que je me lave les cheveux parce que là c'est pas très beau, programme de la journée. Du coup la boisson que j'aime trop trop faire, je vous montre, ça s'appelle le Golden Milk. Alors avant je connaissais pas, enfin j'en avais déjà bu mais enfin j'avais jamais fait attention à comment ça s'appelait. Curcuma, cannelle, gingembre, noix de muscade, poivre. Donc ma mère elle m'a offert plein de trucs pour Noël comme ça, des petits sachets avec plein de trucs trop trop bons. Et ça c'est trop 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 bon. Je vais faire avec du lait, normalement lait d'amande mais là j'ai que du lait d'avoine. Et du coup je vais faire chauffer du lait et me faire ça pour travailler. C'est super bon le matin, j'en ai bu un déjà ce matin mais là j'ai envie d'un autre. Parce que je n'ai pas d'énergie et ça rebooste l'énergie, c'est très bon pour la digestion. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous commander. Let's go. Oh ok, on verra ça plus tard. Many hours later. Bon, il est super tard, il est 20h30. J'ai travaillé, je suis allée un petit peu chez Jérémy parce qu'il a fait des courses. Et du coup, je lui avais dit de prendre 2-3 trucs, donc ça m'a arrangé. Et là, surtout, me suis occupée de vraiment sélectionner toutes les photos qu'il fallait pour le concours. Ça m'a pris trop de temps, écrire le texte, etc. Donc là, il est 20h30, dans 30 minutes, je poste. J'ai hâte, en même temps, j'ai peur, je sais pas pourquoi. J'ai peur que ça vous plaise
pas, ou j'en sais rien. J'annonce le gagnant le 7 février. Vous avez jusqu'au 7 février, 20h je crois, pour participer. Donc n'hésitez pas, si vous venez de cette vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire, c'est très marrant. Je vais me faire à manger, je vais me faire une petite salade parce que j'ai la flemme. Les salades c'est vraiment ce que je préfère faire quand j'ai la flemme parce que ça prend 2 secondes. Et voilà, bon c'est vraiment fait à vite fait avec pas une superbe présentation, mais j'aime trop manger ça. Vous voyez, j'ai fait ça en 2 secondes, c'est trop bon en plus. Attendez, je suis allée chercher la mousse au chocolat chez Jamy. M'engueulez pas pour le couvre-feu, je sais qu'il y a un couvre-feu, mais c'est mon voisin. J'ai mis une veste parce qu'il fait froid dans la cour, donc m'embêtez pas. J'ai posté mon concours, je suis trop contente parce que ça vous plaît. J'avais trop peur que vous soyez déçus ou je sais pas. J'avais trop peur, mais en fait ça vous plaît trop donc je suis trop contente vraiment. Et du coup ma mousse au chocolat, je vais la manger. Bon ça va, alors bon c'est la mousse au chocolat de Grand Frais. Je vous jure que j'ai jamais mangé une mousse au chocolat aussi bonne. C'est dans un espèce de gros pot en verre, trop bon. Si vous avez l'occasion de goûter, vraiment goûter parce que c'est une tuerie. Cette douche, elle m'a crevée. On va dormir 10 jours là. Toujours avec mon ensemble qui vient du site Asos. Bon, night routine, vous la connaissez. Si vous aimez ça, il y en a plein sur ma chaîne. Avec ma skincare routine aussi. Enfin, j'ai fait même des cocooning routines. J'ai fait une énorme bêtise, devinez quoi. Je me suis mise de l'autobronzant sans vous montrer. J'espère que vous m'en voulez pas. J'ai mis 7 autobronzants. Prenez une capture d'écran, il est trop bien. Sachez que je suis pas du tout à l'aise avec les autobronzants. À part un comme ça, et sinon je l'ai fait en cabine une fois, c'était une catastrophe. J'en avais jamais mis. Ça c'est un sérum autobronzant de chez L'Oréal. Et en fait vous pouvez le mettre en plusieurs fois. Donc vous l'appliquez en une fois, vous avez bonne mine le lendemain. C'est assez difficile de faire quand même des traces, hein. Honnêtement, enfin, faut vraiment y aller quoi. Vous l'appliquez vraiment comme vous voulez, que sur le visage ou quoi. Moi j'aime beaucoup le résultat. Et puis en fait plus vous l'appliquez, plus vous allez être bronzé. Donc voilà, et puis ça prend 2 secondes quand on sort de la douche. Puis voilà quoi. Et là j'en ai appliqué que sur le visage. Et en fait il est minuit, j'ai un peu traîné. Moi je vais aller au lit et on se retrouve demain. Mouah. The next day. Hello. Il est 13h30, je sors de la douche. Je vais un petit peu me maquiller. Je sais que je suis toujours dans la même tenue, mais je vous assure qu'en fait je crois que je mets cette tenue que pour les vidéos parce qu'elle est trop confortable. Mais je vous jure que dans la vraie vie je m'habille avec les pires trucs quand je suis chez moi. Bon, je voulais vous parler d'un truc ce matin. J'y pensais dans ma douche parce que là du coup on va aller à Paris tout à l'heure, mais ce matin avec Jérémy on s'est occupé des mails parce que Jérémy m'aide beaucoup au niveau des mails pour YouTube, etc. Je pense que vous avez vu que sur ma chaîne je fais jamais de partenariat, c'est très rare, tout simplement parce que je veux toujours faire des partenariats qui m'intéressent vraiment, et surtout parce que j'ai plusieurs activités en même temps. Si YouTube c'était mon activité principale, je ferais en sorte de vraiment gagner ma vie 100% avec YouTube, mais comme j'ai d'autres activités aussi, ça me permet de pas faire de partenariat, parce que les partenariats je trouve ça super, mais c'est vrai qu'il faut toujours, enfin selon moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et que je pense que je fonctionnerai toujours, c'est que je veux vraiment uniquement travailler avec des marques qui m'intéressent vraiment. Et je pars du principe toujours quand je lis un mail etc, je me dis, est-ce que si j'avais découvert cette marque autrement que dans ce mail, est-ce que j'aurais pu commander sur ce site, est-ce que ça m'aurait vraiment plu, est-ce que ça m'aurait intéressé. Si oui j'accepte, sinon je dis non. Et donc c'est vrai que là j'essaye de faire en sorte que YouTube ce soit mon activité principale parce que c'est ce que je préfère faire de tous les, de tout ce que je fais dans ma vie. J'ai accepté ce matin plusieurs partenariats du coup qui vont sûrement arriver si ça se fait dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Je voulais vous dire que ça ne change absolument rien à mon avis, enfin ça je pense que vous
vous le savez, parce que même si je fais pas énormément de partenariats, vous savez que je pense, si vous regardez vraiment mes vidéos, alors que je vais pas du tout faire genre oh ça c'est super, non, alors que pas du tout. Ça, je pense pas avoir besoin de me justifier là-dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça ne change rien à l'authenticité de ma chaîne, aux vidéos que je vais faire. Je vais pas faire des vidéos toujours orientées sur les partenariats, etc. Mais juste pour vous dire que il y aura sûrement, Jérémy m'envoie un message, il y aura sûrement des petits partenariats, mais grâce à ces partenariats, je l'espère, bientôt je pourrai arrêter toutes mes autres activités et me consacrer uniquement à YouTube. Donc je pourrai faire des vidéos de meilleure qualité, prendre encore plus de temps pour les faire, faire plein de nouvelles choses, et ça c'est vraiment mon goal, d'ailleurs je pensais, est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles vous aimeriez que je collabore, ou même juste que je teste, si je dois acheter des produits pour faire une vidéo pour de test. Franchement je pense que c'est un concept de vidéo que j'aimerais trop faire, tester une marque de make-up, parce que vous savez que à la base je suis maquilleuse, donc je pense pouvoir vous conseiller sur les produits que je teste, et ça ça serait super drôle à faire, franchement j'aimerais trop. Voilà, s'il y a des marques que vous voulez que je teste, dites moi peut-être que je ferai ça. Bref, je vais me maquiller du coup. Pour ceux qui n'ont pas vu ma routine make-up, je vous la mets dans le petit i, elle ne change pas. J'ai pas super bien dormi en fait, je me suis couchée assez tard et en plus ça m'a trop saoulée, mais en fait hier j'étais trop sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Bon, j'ai un peu travaillé etc, mais en fait ça m'a fait super mal aux yeux et donc ça m'a trop saoulée, parce que du coup je me suis réveillée avec un mal de crâne, mal derrière les yeux, très fatiguée, j'ai pas très bonne mine etc, donc un peu le seum. Bon, sinon vous me dites pas comment vous vous sentez, moi je peux pas deviner hein, dites moi ça va, ça va pas, cette période est un peu compliquée. Actuellement on est mardi, cette vidéo est censée sortir demain, je ne sais pas si demain on aura des annonces, ils disent que oui, après ils disent que non, on ne sait pas. Écoutez, on verra bien, j'espère qu'on en a bientôt fini avec ce Covid. Personnellement j'en peux plus, j'aimerais trop qu'ils nous confinent pendant des mois là, et qu'après ils nous disent c'est bon, faites votre vie, il n'y a plus de virus, je sais pas, ils vaccinent tout le monde ou ils trouvent une solution. Bon alors ce serait l'idéal, et que là ce soit l'été, genre me téléporter en été sans Covid, j'en rêve. Et cet été moi, en fait l'année dernière je devais aller à Tomorrowland, j'y suis allée l'année d'avant, mais du coup avec le Covid ça a été annulé et les places ont été reportées à cette année, et c'est en juillet. J'espère que d'ici là ça se sera amélioré. Est-ce que vous êtes déjà allé à Tomorrowland? Vous savez, j'aimerais trop, on en parlait avec Jérémy, vous voir. Il y a des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui vont à Tomorrowland, mais envoyez-moi un message direct, vraiment on se voit là-bas, on fait la fête ensemble, je rêve de ça, genre meilleur meet-up à Tomorrowland. Bon moi je vais finir de maquiller et on se retrouve tout à l'heure. Let's go. Ok, on y va. J'ai trop envie de tester un cheesecake. Deux onigiri saumon s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. On a acheté des petits trucs à manger japonais. Il est au téléphone Jérémy. On va manger ça et ensuite on va aller faire les magasins. Ah, il est dur. Je disais que c'était genre mou comme un flan. Oh oh, il y a un plastique. Ah oui, tu l'avais pas vu. Non. Il a l'air pas, il a l'air mou de ouf. Ok, on va échanger de dessert. Non, c'est... Si c'est bon. Si ça va. Non, en fait c'est très cheesy. Non, en fait c'est bon. Ah, je mange avec deux cuillères, ça va, j'ai rien qui va. En fait c'est très cheesy, je m'attendais pas à ce que ce soit si... En même temps, j'avoue que t'as mangé que deux cheesecakes dans ta vie, donc t'as pas trop de référence. J'aime beaucoup. Ouais, mais c'est trop... C'est trop quoi? Bah c'est cool, mais c'est trop simple. Ouais. T'es pas convaincu? Bon non. Pas particulièrement, mais si ça te plaît. L'intérieur? Ah ouais, Ouais. Elle est bien, en vrai elle est grave jolie hein. Elle va grave bien. J'avoue qu'elle est grave belle. Du coup on était aux galeries. Jérémy il voulait s'acheter une veste, mais en fait il n'y a pas la taille qu'il veut. Du coup on va au B. Non, on va pas au BHV, on va au Bon Marché. Ça fait super longtemps que je suis pas allée. Ça fait plusieurs années. C'est Bon Marché d'ailleurs. Si, on va prendre Uber parce qu'il fait moins 10. Il fait tellement froid, ça devient trop dur. J'ai acheté un petit produit sur le Tilbury. Je vous montrerai ça en rentrant. A few moments later. Avec tes rouleaux tout mal, qu'est-ce que tu fous? Regardez-moi dans mon plaid. J'ai froid, je suis fatiguée. Jérémy me fait à manger et je vais manger chez moi, je pense. Parce que lui, il se fait un truc super long. Il me fait des pâtes
à la bolognaise. Je suis dégoûtée parce que la doumoun que j'ai mise, celle que j'ai achetée, que je vous ai montrée hier, bah franchement elle tient pas si chaud que ça. Donc, je suis un peu deg parce que je l'ai achetée juste pour avoir un truc chaud parce que j'ai rien de chaud. Mais bon, c'est pas grave. Et on est allé chez Louis Vuitton et on a senti les parfums parce que quand Jérémy m'a offert le porte-carte, il y avait, si vous avez vu le vlog de Noël, il y avait plein de parfums et en fait ils sont trop bons. Et moi il y en a deux, je vais vous donner les noms comme ça si vous voulez les sentir. Deux que j'ai trop aimé, c'est Matière Noire et Contre Moi. Ça c'est les deux pour femmes, et pour hommes, Météor, il sent trop bon. Voilà, j'aimerais trop me téléporter chez moi là, avec mes pattes fatiguées, ça se voit. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci de me laisser manger chez toi. La quoi? La montée. Non. T'es sérieuse? La montée? La montée. Ah, la montée, j'ai compris la montée, je voyais pas le rapport. Je me suis dit, oh putain, je me séparais. C'est par toi? Non, je vais manger un peu de crampon. Je t'écoute. Ça, je vais le mettre dans la vidéo, ça. Je vais le mettre dans la vidéo exprès. Pour te faire chier. Pause. Un peu de sauce bac. Tu me dégoûtes. Tu veux un truc à la télé ou aux autres? Bah oui, je veux bien du coup, s'il te plaît. Tu comptes manger quand c'est froid ou tu préfères... Et toi, tu comptes être agréable ou... ou tu préfères un jour sur deux? Disney Plus. Ah oui, c'est vrai que t'as acheté Disney Plus. Ouais. Ça vaut le coup. Attends, mais d'ailleurs. Ah, mais il y a tout. Putain, eh ben, je sais ce que je vais faire ce soir. Ce soir, je rentre, je me démaquille, je ferme mon vlog. Mais attends, t'es pas prêt. Et tu pourras me donner tes mots de passe? Ouais, regarde, il y a. Je suis rentrée, je vais aller me doucher, me démaquiller, etc. Mais je voulais vous parler du coup du petit produit que j'ai acheté. J'en ai entendu grave parler et du coup en fait je voulais me l'acheter il y a quelques mois sur Sephora. Et à ce moment là il était en rupture de stock. Donc du coup j'avais pas pu, et en fait là je l'ai vu au bon marché. Je me suis dit bon, c'est l'occasion de le prendre. C'est un produit de chez Charlotte Tilbury. C'est le Healthy Glow, crème hydratante teintée pour un teint des beaux jours toute l'année. Et en fait c'est une crème, alors je vais pas l'ouvrir maintenant. Bon, déjà packaging Charlotte Tilbury, juste trop beau comme d'hab. Quand vous le sortez c'est blanc comme une crème, exactement pareil. Et quand vous l'appliquez sur votre peau, il y a des micro-pigments qui sont à l'intérieur qui vont venir un petit peu exploser. Je sais pas comment on peut dire ça. Oui, exploser. Et donc ça va vous teinter le visage. Donc au niveau du rendu, c'est un petit peu comme une crème teintée, mais c'est quand même plus léger. C'est aussi hydratant qu'une crème teintée, mais un petit peu moins teintée. Mais par contre, ça vient pas vraiment couvrir ce qu'on a sur le visage. Ça vient plutôt donner juste de la couleur. Et c'est trop bien. Je pense que je l'appliquerai le jour où, enfin les jours où je me maquille pas, ou alors les jours où je suis très naturelle et que je veux pas mettre de fond de teint. Donc voilà, je suis trop contente. Et il coûtait 40€. Si jamais ça vous intéresse. Mais je crois que Jérémy avait regardé. Il me semble qu'il était dispo sur Sephora maintenant. Du coup je l'ai acheté au bon marché parce que c'était sous l'occasion. Et du coup j'ai acheté que ça, ce qui est déjà bien suffisant. Donc voilà, je vais me démaquiller, je vais prendre une bonne douche, parce qu'après une journée à Paris on a envie qu'une seule chose, c'est de se doucher. Et sûrement me faire mes petits ongles dans mon lit tranquillement. Je vais vous laisser parce que dans mon lit je vais faire un petit peu de montage de cette vidéo. J'aurais trop aimé vous emmener un petit peu plus longtemps cette semaine, parce qu'en plus j'ai un tournage et j'ai plein de choses de prévues. Mais malheureusement je ne vais pas pouvoir, car cette vidéo doit sortir demain. Donc il va falloir que je la monte rapidement. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aimez. Alors franchement ce vlog il n'était pas du tout prévu, mais justement je trouve ça plutôt cool, c'est spontané. Et dites moi si vous aimez ce genre de vlog, dans le sens où c'est des vlogs où il n'y a rien de prévu de spécial. Je vous emmène juste un petit peu dans ma vie, parce que j'ai fait des vlogmas, j'ai fait des journées dans ma peau, j'ai fait des weekly vlogs, mais j'ai pas fait des vlogs juste comme ça quelques jours dans ma vie. Donc dites moi si jamais vous voulez que j'en fasse plus souvent, je serais ravie parce que j'aime beaucoup le format. Avant de se quitter n'hésitez pas à aller suivre mon Instagram, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Donc n'oubliez pas qu'en ce moment il y a le concours pour le porte-carte, donc n'hésitez pas à aller voir, toutes les conditions sont dans ma dernière publication. Et n'hésitez pas également à me suivre sur YouTube et à liker cette vidéo. Je fais deux vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.